Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Il a un autre sort ou pas, à votre avis? Ouais. Et tu fais quoi maintenant? T'as une tornade? Parce que t'as plus de bûche, t'as plus de colis. Ah! Zali! Oh! Oh, le pré-shot du Zaf! Oh! Oh, lui a fait du sale! Hein. Oh! Hey yo tout le monde, c'est les Mathieu, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se jouer un petit deck golem, ce coup-ci sans les barbares d'élite. Et oui les gars, on va faire une vidéo sans barbares d'élite, voire même anti-barbares d'élite, puisqu'on joue ce de golem un petit peu adapté. Bon, c'est pas non plus une nouveauté exceptionnelle, mais on a quand même le bomber qui est maintenant 2 d'élixir, l'armée de squelette qui est aussi très efficace, le mini PK, et voilà, le reste c'est un petit peu un golem classique sans gros sort. On va jouer ça, mais avant les gars, j'ai des petites annonces à vous faire. Déjà que ce soir on va rush le top 1000 sur Twitch, donc si vous regardez la vidéo le jour de sa sortie, n'hésitez pas à passer ce soir vers, je sais pas, 18-19h, on verra, voire même peut-être un peu plus tard, mais passer dans la soirée, on sera sûrement en train de rush, parce qu'on a quand même 300-400 TR à faire. Donc je vous attends nombreux, lien dans la description. La deuxième annonce que j'ai à vous faire, c'est que l'arrêt des coachings, tout simplement. Je vais arrêter définitivement les coachings. Je vais quand même laisser l'opportunité pour ceux qui voulaient, qui hésitaient encore, qui veulent essayer de battre leur corps ou qui veulent tout simplement faire une dernière séance. Mais voilà, donc après cette semaine, je fais encore une semaine et après j'arrêterai définitivement les coachings. Pourquoi? Parce que tout simplement j'ai plus le temps. Surtout si je passe à 2 vidéos par jour. Et puis même j'ai des choses plus intéressantes à côté qui m'intéressent plus. Donc voilà, je vous le dis officiellement, dans une semaine j'arrêterai définitivement les coachings. Je ne ferai plus de coaching. Donc si vous voulez en réserver un, c'est maintenant. Vous avez le lien du Discord dans la description et vous avez toutes les infos dessus comme d'habitude. Et puis voilà, comme je vous l'ai dit, dans les prochains jours, 2 vidéos par jour. Donc ça commencera soit à partir de demain, soit après-demain je pense, lundi ou mardi, le temps que je me mette dans le roulement, dans le cycle et tout. Parce que le but c'est qu'une fois que je commence à 2 vidéos par jour, c'est que je garde le rythme. Donc voilà, ça fait pas mal de nouveautés, mais ça fait plaisir parce qu'on a de quoi s'occuper et s'amuser. Allez, on est parti direct dans la première game. Est-ce qu'on lui... Ah non, on a même pas le golem. C'est même pas drôle. Je voulais faire un petit golem first play histoire de bien commencer la vidéo, mais on va s'en passer apparemment. Hop, on va juste attendre que ça connecte. Tranquille, voilà. Je sais pas si je... Ah, peut-être que j'aurais pu choper les 4. Je sais pas si je l'avais mis ici. Bon, dans tous les cas, on va activer la tour du roi tranquillement. On a pris quand même beaucoup de dégâts à gauche avec ce petit cochon là. Mais bon, c'est pas trop grave. On devrait quand même s'en sortir. Ouais, machine volante, ok. On va voir s'il nous met des recrues au pont ou pas. Est-ce que c'est un cancer? Hop, on va devoir kite. Ouais, la machine volante qui va pas être une partie de plaisir à gérer. Et on va partir en golem. Ça y est, on est parti. Premier golem. Si jamais il part à l'opposé, on peut toujours mettre un mini PK qui va mettre une pression de l'autre côté. Sinon, on part juste en golem tranquille. Tout ce qu'il y a de plus classique. Ok, voilà, qu'est-ce que je vous disais. Hop. Parce que le mini PK qui va one-shot chacun des cochons. Voilà, si le focus se fait correctement. Parfait. Hop, on n'hésite pas à mettre la pression avec le bomber. Attention quand même à pas donner trop de value sur la boule de feu. Là, je pense... Enfin, il me semble pas qu'il est assez. Et dès que ça change, voilà. Hop. On s'assure bien de retarget. Les bases qui peuvent peut-être gratter. Oh non, l'esprit élec. Oh, l'esprit élec, c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse, ça. Après, on a bien gratté quand même. On va repartir en golem. Tout simplement parce que on a l'armée de squelettes et qu'il a plus l'esprit élec en rotation. Donc, ce qui fait que même s'il part cochon machine volante, bon, on pourra défendre hyper facilement. Tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'il va décider de faire? Il va pas le faire quand même. Oh le con. Oh le con. Il a pas osé faire ça quand même. Oh non frérot, fais un effort, je sais pas. Ah, tu fais pas beaucoup d'efforts là je trouve hein. Non, oh le karma, le karma, le karma. Non 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 non. Ouf, ouais ça va. En serre, ça va. On va mettre la petite MG. On patiente toujours. Voilà. Tornade. Zap. Ça peut passer. Ah, il défend bien.
Il défend super bien, honnêtement, mine de rien. Ok, je pense qu'il va se méfier ce coup-ci. Il va peut-être envoyer Esprit Elec. Voilà, vite, viens par là. Ouais. Ouais, je vais devoir rajouter. Hein. J'ai pas trop le choix là-dessus. Ah, ça va être chaud. Hein. Je sais pas si je vais pouvoir passer. Il va sûrement recycler sur des cochons. Voilà, classique. Hop, 11 à pour vraiment prendre le moins de dégâts possible. Là par contre il est dans la merde. Hein. Là vous m'expliquez comment il va défendre là. Hein. Allez, 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 allez. Allez, allez, let's go. Première victoire. On a mis les bons golems au bon moment. Il pouvait pas forcément nous punir. Honnêtement il s'est bien débrouillé en face. Hein. Je pense que c'est pas un super bon match-up pour lui. Hein, vu que... Est-ce qu'il avait... Non, il joue pas de barbare d'élite. Hein. Ouais, non, pas de barbare d'élite. Ok, ok. Pas de barbare d'élite. On aimerait quand même tester un petit peu contre le Ibarb là. On veut voir ce que ça donne contre du Ibarb. Et je pense qu'on va le faire. Hein, vu qu'on a l'armée de squelettes en rotation. Golem first play, quand vous avez l'armée de squelettes en main de départ, ça peut être très 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 fort. Surtout. Oh, en plus, il met un zap. Ah! Et bah, j'ai pas la MG ni la tornade. Allez, bah, une tour en moins, les refs. Yes. Bon ouais, je vais mettre un petit zap quand même, histoire de me sauver un petit peu. Mais c'est dommage. C'est vraiment dommage que j'avais pas la MJ en main de départ. Ah, il va faire tellement de value avec ses dragons. Oh. Ouais, il va falloir que je les ramène pour qu'ils explosent sur le... Je pense hein. Ouais, si je les ramène pas, ça va être terrible. Ouais, même là hein. Ouais. Super le golem first play. Merde. Quand Molos dragon de l'enfer en plus hein. Ah je sais pas trop comment on va faire malheureusement. Sûrement partir du même côté que lui. Mais ce coup-ci s'il nous met un ballon on aura la méga gargouille. On va partir à droite hein. Ouais il vaut mieux partir du même côté que lui. La Nightwitch va être beaucoup plus relou à gérer. On va la mettre dès qu'on peut avoir les chauves-souris à l'abri. C'est à dire... Allez maintenant. Hop, le temps que les chauves-souris spawn, elles vont arriver vers ici. Et on sera plutôt bien. Si je peux focus la MG. Oh, c'est parfait. C'est super bien là, le focus de la MG. Allez. Nice, nickel. Oh, le golem. Le golem. Le golem. Il n'y a plus de boule de feu en plus de ça, ça va faire mal. Hein. Ouais, il le sait. Il le sait qu'il a perdu sa tour. Il est pas con non plus. Là il aurait pu essayer de défendre et je pense s'il essayait de défendre de façon avec des barbares ou quoi, c'était trois couronnes derrière. Ok c'est bien, on rattrape la game. Est-ce qu'il va essayer de partir avec un ballon ou pas? Ouais c'est bien ça. Il part de l'autre côté. Est-ce que je défends ou pas? Non ouais je sais pas. Un petit zap hein. Juste histoire de l'embêter. Allez parfait, juste histoire de gaspiller un zap. Exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Il a zap. Ah ouais mais c'est chaud là. C'est chaud de ouf. Ouais. Ouais peut-être. Ok ok. Oh ça va être tendu hein. J'ai pas du tout l'habitude de jouer ce genre de game hein. Ça va être extrêmement tendu, je pense qu'on peut mettre une bonne pression avec l'armée squelette, regardez, l'armée squelette. Oh l'armée squelette qui split, l'armée squelette split, du coup qui évite le zap. L'AMG, oh ça va être le GG, let's go. Et bah j'étais pas serein. Ah c'est toujours, c'est vraiment à qui aura le push le plus débile, hein, Molos contre Golem. Mais l'armée squelette, hein, l'armée squelette dans cette méta, franchement, vraiment MVP, que ce soit une fois que vous ayez pris une tour. Vous pouvez mettre des armées de squelettes corner, je l'ai pas fait je crois, je l'ai mise derrière sur ce push là. Mais à la fin quand vous allez en 3 couronnes, l'armée de squelettes c'est tellement efficace parce que les squelettes vont se dispatcher un peu partout. Et ça va être ingérable pour lui s'il a pas de troupes qui tapent en zone. Ok on va laisser hein. Vas-y frérot, fais toi plaisir avec ton petit mineur. Moi ça me fait 3 d'élixir gratos, ça veut dire que tu peux pas me punir. Si tu mets un ballon j'ai ma MG. C'est parfait. On va le mettre ici.
Ça me paraît bien, une petite MG. On évite de la mettre trop haute. Ce qu'on veut, c'est voilà, juste qu'il ait les chauves-souris qui l'embêtent. Et comme ça, il peut pas trop sort. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Il a un autre sort ou pas, à votre avis? Ouais. Et tu fais quoi maintenant? T'as une tornade? Parce que t'as plus de bûches, t'as plus de colis. Ah! Zali! Oh! Oh, le pré-shot du Zaf! Oh! Oh, on lui a fait du sale! Hein. Oh! Oh, on lui a fait du très très sale! Hein. Ce Zaf, les gars, il était incroyable! Hein. Et l'armée de squelette! L'armée de squelette, une fois de plus! Qui fait son travail! Ah, exceptionnel! Exceptionnel ce deck! Vas-y, envoie des sapeurs, comme ça je vous montre le placement! Allez, des sapeurs, s'il te plaît. Non. Il a pas de sapeur? Ou alors c'est du mortier, peut-être? Bah non, il a une Tesla, ça pourrait pas être... Non, c'est du Miner Cycle, je pense. Hein. Miner Cycle sapeur, mais je sais pas pourquoi il met pas ses sapeurs. Bah écoutez, pourquoi pas. Hein. Nous, on est reparti. Hop. Comme je vous disais, avec les chauves-souris, comme ça, il est obligé de mettre un truc pour gérer les chauves-souris. Et il peut pas forcément gérer la Nightwish tout de suite. Voilà. Vous voyez? C'est vraiment ça qui va aller l'embêter. Parfait. Hop, on retarget la tour pour garder le min PK avec le plus de points de vie possible. Et je pense qu'on devrait faire tomber la tour. C'était peut-être une MG de... Ouais, peut-être pas ouf cette méga gargouille. Vous me pardonnerez. Hein. Là, il y a de fortes chances qu'il push. Donc on va pas partir en golem. On va d'abord poser la sorcière de la nuit, pardon. Ah oui, non, ça y est, je me souviens, oui. Non, c'est un mineur roquette explosé au sol, là. C'est ça, c'est ça. C'est un mineur cycle complètement explosé. Bon alors toi, tu viens par là, on va forcer la bûche. Et normalement il a, si je dis pas de bêtises, il a roquette séisme hein. ou une connerie du genre. Il me semble. On va bien voir. Le problème c'est que j'ai pas de food moi pour aller gérer son truc là. Comment est-ce qu'on va gérer ça? Bah deuxième golem hein. Allez. C'est parti les gars. Deuxième golem hein. Ah, chaque problème sa solution hein. Ok, parfait. Et puis on va gratter un petit peu comme ça là. Avec des tornades, des zaps, ça me paraît bien. Hein. Petit bomber. Il a recyclé l'esprit Elec. Est-ce qu'on peut peut-être faire quelque chose avec ça? Non, il va coller. Hein. Ah, les golemites. Ouais, les golemites qui grattent un petit peu, on va le finir au zap. Hein. Je vous jure qu'on le finit au zap. Ok, parfait. Prévisible. Hop, bien joué. Ah, raté. Bien joué, mais raté. Et la bonne chose pour la défense. Ok. Ouais. Il va tenter un finish, hein. C'est sûr, il tente un finish, là. Voilà, c'était sûr. Enfin, il tente un finish. Je sais pas ce qu'il va finir, mais... GG. GG à lui, en tout cas. On va lui dire bien joué, je suis curieux de savoir s'il avait un deuxième sort ou pas, mais en vrai le deck est pas si nul que ça, c'est juste qu'il a fait des petites erreurs je pense en début de partie. Parce que vous voyez qu'à la fin j'avais du mal à passer. Ok non c'est ça, il avait pas d'autres sorts, il avait colis, roquette et bûche. Ouais c'est sur le premier push, sur la première armée de squelettes on a bien gratté. Ok ok, très intéressant, écoutez on est à 2300 mondes, on est bientôt dans le top 2000 mondes. Je pense qu'on peut se faire une petite dernière, allez une petite dernière game. Et après, on fera le reste en live. On rushera pas au golem. Hein. Là, j'en profite tant que je suis en vidéo pour vous proposer. Mais ça m'étonnerait qu'on push en golem. Tout simplement parce que je connais pas assez le deck. Même si le deck est bon, je le connais pas du tout assez pour pouvoir aller en top 1000. Enfin, en vrai, j'en sais pas. Enfin, peut-être que je pourrais. Mais on va pas se compliquer les choses. Voilà, c'est ça. on va dire ça comme ça. Alors... Nova Mats, du coup mineur. Attendez, mais c'est encore du mineur roquette ça? Ok, on va zap, tranquille. Tranquille, tranquille. On va spécifier une roquette. Voilà, je voulais vous montrer le placement. Tout simplement, c'est celui-là. Yes, je l'ai raté. Pourquoi il faut toujours que je le rate? Pourquoi il faut toujours que je le rate en vidéo? A chaque fois que je suis en coaching, je le réussis du premier coup et dès que je suis en vidéo, je le rate. Je pense que j'étais un petit peu light sur la tornade. Si vous êtes plus rapide, en gros, il faut envoyer le timing dès que le premier sapeur rentre dans la tornade. Parce que si vous attendez trop, ce qui vient de se passer, certes, vous évitez une connexion de sapeur. Mais nous, ce qu'on veut, c'est activer la tour du roi. Et merde. Et merde. Et pourquoi il ferait ça? Pourquoi tu fais ça, frère?
J'ai juste ciclé un bomber. J'ai juste ciclé un bomber. Tu pars comme ça là. C'est trop. Pourquoi il fait ça? Il est trop con. Pourquoi il part pas à droite? Qu'est-ce qu'il fait? Oh le Vaucer. Il avait juste partir du même côté. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Petite Valkyrie peut-être là. Ah il a déjà les chauves-souris. Ah. Bah super hein. Ouais bah parfait. Oh un coup. Deux coups, deux coups, deux coups. Oh mec. Oh Max. Là il va sûrement mettre des sapeurs derrière. Donc ça sert à rien qu'on active, enfin qu'on essaie d'activer. Si j'avais pas mis la méga couche, 100% il avait mis, il aurait mis des sapeurs derrière. 100%. Alors, ce coup-ci je vous le rate pas. Allez on s'applique. Ah je peux pas putain. Mais quel enfant. C'est pas possible ça. Ouais. Faut pas oublier de défendre quand même mon pote derrière. Ah c'est pas une option la défense hein. Quoique il s'en sort bien hein. Ouais. Il s'en sort bien hein. Ouais boule de feu. Ok. Petite armée squelette. Elle est en push. Elle a regardé. Là en push. On en profite. On met la pression au max. Lui il doit aller finir la tour. Est-ce qu'on va le pré-shot ou pas? Il va boule de feu. Ah oh, il l'a mis là. Il va brain. Oh quoique. Allez allez allez. Non. Le mini PK qui troll les refs. Non. Mais non. Oh là là, va falloir se focus parce que là du coup on est dans la merde. Ok non, en vrai on n'est pas dans la merde comme ça. On n'est pas tant dans la merde que ça. Si ça reste en vie peut-être. Allez allez. Armée de squelette corner. Oh l'armée de squelette corner, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Ah oui mais c'était sans compter sur la Valkyrie. Ouais pas cool. Je peux pas tornade en attaque sinon je suis un petit peu dans la merde. Ok c'est pas grave. On va pré-shot un petit peu son mineur. Ok. Ah ouais, ça c'est bien joué ça. Ça c'est bien joué ça. Allez, s'il te plaît. Ouh. Oui, 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 oui. Ah, il tient bon. Hein. Ah, ça va pas être facile. Il a peu de points de vie à aller chercher. Non. Oh, le bomber qui va tomber malheureusement. Ah, j'ai essayé de pré-shot les sapeurs au middle, mais c'est pas passé. Allez, on est parti. Ah, c'est chaud, hein. Ok, je l'ai. Enfin, je les ai. Ah, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ah, il a trop de troupes, en fait. Il a trop de petites troupes partout, des petits squelettes de merde. Il y a trop de trucs. Non. On va pas finir par une défaite. Non. Ah rien du tout. Il a pris la tour. Oh je suis tellement deg les gars. Je suis tellement deg. Allez. Peut-être le move. Le move de ouf. Oh le coup de bomber. Oh non. Ah oh, je l'ai tenté jusqu'au bout. Celui-là les gars, le coup de bomber, j'ai été le chercher loin. Mais malheureusement on n'a pas réussi à le faire tomber, on avait pris trop de dégâts en fait. Là je pensais vraiment 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 que j'allais pas perdre une seule tour. Le problème c'est quand vous prenez un risque comme ça et que vous jouez en une tour, si jamais vous perdez la tour, bah vous avez beaucoup de retard sur la deuxième. Et c'est ce qui s'est passé. Je pense que j'ai fait ouais pas mal d'erreurs quand même. Mais c'est pas grave. C'était une bonne vidéo en tout cas quand même. On aura gagné pas mal de trophées. Et voilà, je vous laisse copier le deck. Normalement c'était fait pour contrer les barbares d'élite, mais vous voyez que même contre les autres decks il fonctionne super bien. Je vous laisse copier le deck. Me faire vos retours dans les commentaires si vous voulez réserver votre coaching. Les gars je vous rappelle, une semaine avant l'arrêt définitif. Si vous voulez soit débloquer un badge en défi classique, en super défi ou en ladder. Voilà, je vous laisse checker les infos sur le Discord. Et nous on se dit à ce soir en live sur Twitch. À demain pour une prochaine vidéo, c'était Lemonty. Ciao ciao.